Allez. Salut YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode sur Test Drive Unlimited. Tout de suite une auto-stoppeuse. Mais c'est un petit peu le son du jeu qui est fort chez moi. Vous me direz hein, chez vous si c'est fort. Bonjour, c'est très aimable de vous arrêter. Je suis un peu fatiguée. Vous voulez bien me déposer chez moi? Je suis un peu fatiguée. Putain, oh, les modèles 3D, waouh, qu'est-ce qu'ils sont C'est... ça a été fait à la machette, hein. Clac, clac, clac. Tournez à gauche. Tout carré. Putain, c'est dingue. C'est dingue. Bon, je reprends ma magnifique Mustang Cabriolet. Qui coûte... rien du tout. Oula, oula, oula. Oula, là. Ça serait bien de réussir à faire... continuer à faire l'émission en perfect. Possible. Non. La 3D du futur. Ah, ça. Très bien. Heureusement qu'il a tourné, le mec. C'est que la ligne droite. Ça devrait le faire. Merde. Merde. J'ai perdu 20. Waouh. Oh. Ah ouais, c'est... pas vraiment le droit à l'erreur. Hein. Ah, oh oh. Bonjour. Oh, pardon. Mais oh. J'ai un peu peur. Oh, oh, oh. J'ai un peu peur en voiture. Ah bah désolé, hein, j'ai pas fait exprès. Oh, c'est pas grave, hein, c'est pour gagner des tickets. C'est bon quoi, hein. C'est des bons pour le Monoprix. Là, j'ai pas envie de me casser les fesses quoi. Hein. Franchement, c'est bon. Voilà. On y est. Merci. Merci beaucoup. Pas sereine, hein, la meuf. Hein. Merci, merci. Cassez-vous, cassez-vous. Cassez-vous, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. J'ai animé. C'est important le style. Tu sais. Faites chier. Hein. Bon, voilà. Hein, Toastopeuse, c'est mort. Putain, on en a débloqué une autre. 2 km 2. Ah, ça se fait vite, hein, 2 km 2. Oh, allez, vas-y. Je suis d'humeur sympathique, on va faire de l'autostoppeuse. Allez, voilà. Hein. Allez. Ouais, cassez-moi le cul. Hein. Oh là, oh la meuf, elle en soumet. Ah, on... elle est en survêtement. Oh, je suis fatigué. Oh, ça commence bien. Ah! La priorité. Non, il n'y a pas de priorité à droite. Quel connard. Mais quel connard. Ouais. Que je fasse mes 2 km et puis après, comme ça, je suis tranquille. À la prochaine intersection. Mais tu vois, là, ça me saoule parce que je fais des autostoppeuses et tout. Je gagne même pas de pognon à faire ces conneries. J'ai un klaxon de paquebot, c'est dingue. Mais pourquoi vous faites ça? À la prochaine intersection, tournez à droite. Ah, je suis pas dedans. Hein. On va la refaire. On va la refaire. J'ai pas vu les épisodes sur YouTube. Tu peux m'expliquer le principe du jeu? Eh ben, c'est Forza Horizon, mais 3 ans, 4 ans, non, 6 ans avant. Voilà. On est sur une île d'Hawaï. Et tournez à gauche. Allô? Et voilà, on achète des belles voitures, on fait des courses, on achète des maisons, on promène des autostoppeuses. À la prochaine intersection, tournez à droite. Voilà quoi. Tournez à droite. La belle vie quoi. La belle vie. Et tout ça en 2006 dans un jeu massivement multijoueur, je rappelle. Parce que le but de ce jeu-là, c'était de pouvoir jouer avec ses potes. À la prochaine intersection. Et
Bon bah maintenant c'est plus possible hein, mais tournez à droite. Mais avant c'était bien. Putain, j'ai DNF là le coup d'avant et là je pars sur un perfect. C'est quand même propre. Grazie mille. Vous beaucoup. Ah non. Oh, bah. Oh, vous beaucoup aidez-moi. Merci Chris Sky pour les 5 mois de sœur. Quelle blague. Oh, quelle blague ce jeu. Au secours. Oh. Oh non. Et je croyais que tu pouvais filtrer pour les... Eh oui. Les non réussis. Eh oui, c'est ça. Hop, et comme ça c'est tellement plus simple de voir ce qu'il nous reste à faire. 170 miles par heure en plein trafic. Il va nous falloir de l'argent par contre. Eh, j'ai fait perfect. Hein. J'ai beau avoir touché, j'ai fait perfect. Donc, hein? Attention à ce que vous dites. Hein. Il faut que j'atteigne... 274. Je crois que c'est mort. Voilà, à mon avis, c'est mort. Hein. Il n'y a pas de point limite, c'est juste que j'ai une minute pour atteindre 274 km/h. What the joke is that? Ah! Non mais j'atteindrai jamais 274. À un moment, faut pas se moquer de la gueule des gens. Non, mais faut pas se foutre de ma gueule. Je peux pas les faire, les 274. Pas avec la voiture, là. Allô. Aïe. Non. Aïe. Bah oui, tu m'étonnes que je fais que le bronze. Il va nous falloir une nouvelle voiture. Après, on a acheté une maison. Hein. On a acheté une maison. Le but, c'est de la remplir. Hein. Mais là, oui, mais là, du coup, il me la compte en... Ah non, il me la compte pas en termes... Oh, qu'il est bien fait, ce jeu. Oh, c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'on a, là? Putain, on a tout débloqué. C'est quand même vachement bien, ça. On a tout débloqué. On va faire la course. Mais va falloir qu'on commence à regarder quand même pour acheter une voiture. Enfin, faut qu'on ait déjà un peu plus d'argent. De toute façon, c'est vrai que tu n'as pas de multiple AMG, donc oublie les 200. Je pense, le multiple AMG ne peut pas atteindre 274 km/h non plus. Ne nous moquons pas. Ne nous moquons pas. Quand même. Par contre, il faudrait que je me note quelque part qu'il faut que j'achète la Visman. Et je crois que c'est pour l'autostoppeuse qui était juste en dessous de l'épreuve que je viens de sélectionner. Faut que je pense à l'acheter, cette bagnole-là. Et pour l'instant, je crois que j'ai pas trouvé le concessionnaire qui la vend. C'est un concessionnaire européen, un truc dans le genre. C'est pas Visman spécifiquement. En tout cas, là, c'est un duel de Mustang. Et il va vite, le petit Jimmy. Little Jimmy. Non mais c'est dingue. Allô. Attends, je prends l'intérieur. Je parcours moins de distance. Ça marche. Chez. Ça c'est fait. Ça c'est gagné. Très bien. Non mais c'est ça qui est bien avec le jeu là, c'est que ça va aller vite en vrai. Ouais, tu vois, c'est ça le... Putain, j'ai... Si, j'ai une feuille, je savais bien que j'avais une feuille. Oula, par contre j'ai plein de merde d'écrit sur la feuille. Oh putain, j'ai encore les codes de... de quand on a fait le jeu avec Manon. Le jeu de puzzle. Au secours. Alors attendez, faut que je me le note quelque part ça, parce que sinon je vais oublier. Alors.
Viessmann. D'ailleurs, je crois que Viessmann, ils veulent sortir un nouveau, une nouvelle voiture. J'avais lu ça sur le compte Twitter de Rupteur, que je vous invite à suivre, bien évidemment. Ceci n'est pas une pub. Point clé. Ouais, parce que là... Là, on a Chrysler. US indépendant, mais il n'y a que Saline. Donc, quelle connerie. Ferrari European Classic. Là, on a Dodge. Ah, et voilà, regardez, Viessmann, c'est là. German Independent. Voilà. C'est la première fois que tu fais un live sur ce jeu, parce que je ne m'appelle pas avoir vu. C'est le deuxième live qu'on fait sur le jeu. Italien indépendant. European Classic. Ouais. Aston Martin. British Independent. Pontiac. Quelle horreur, Pontiac. J'aime pas ça. J'aime pas les Pontiac. Bon. On a un chrono à faire. Classe E. Très bien. Ça se prononce pas Viessmann. Ah bon? Ça se prononce comment? Viessmann? Je sais pas. Non, mais il n'y a pas la Firebird, en fait. Enfin, pas dans le concessionnaire Pontiac en lui-même. Dans les concessionnaires américains classiques, il y a la Firebird, mais le concessionnaire Pontiac, c'est la GTO. Mais pas la GTO de 1, la GTO de 2005. Celle qui a chié, quoi. Celle qui a absolument zéro personnalité. Voilà, c'est ça que je dis. C'est quoi le jeu? C'est marqué en dessous du live. Il est sorti quand? En 2006. Comme Steve Vai. Viessmann. Ouais, bah je préfère Viessmann. À la prochaine intersection, tournez à droite. C'est comme faut dire Hyundai, bah moi je dis Hyundai. Parce que nique ta mère. C'est bon. Pour ça qu'il n'y a pas Aztec. Ah non. À la prochaine intersection. Il n'y a pas l'Aztec, non. Je rappelle que la Pontiac Aztec est connue grâce à Breaking Bad et que Breaking Bad a commencé plusieurs années après que ce jeu soit sorti. Metal Gear ou Metal Gear? Je te permettrai de ne jamais dire la deuxième option, s'il te plaît. Voilà. À la prochaine intersection, tournez à droite. Faut que je pense que c'est un chrono en fait et que je suis censé aller vite quand même. Félicitations Jeff pour le FFS, j'ai regardé ça aujourd'hui. Ah, merci Thomas. Et puis pour les chocs étaient calculés. Bien sûr. Oh, j'ai l'impression qu'elle avance pas, c'est dingue. Oh. Bonsoir Terreur. Prochaine intersection, tournez à gauche. À la prochaine intersection, ma foi, c'est passé. Par contre, 1 km, 30 secondes. Ça va être short. Allez, les motos, faites votre boulot. J'ai un prof aujourd'hui qui a prononcé iOS comme si c'était le nom du père Verstappen. Yos. Ah! C'est rigolo ça. C'est rigolo. Et bah c'est la médaille d'or. Voilà. Encore une petite médaille d'or tranquille. Et 10 000 balles dans la popoche. Vous saviez qu'il y a la F1 dans Rail Racing 3. Oui. Sauf que Rail Racing 3... il me passe un peu au-dessus le jeu. Hein. Ah, classe D. Ah, va falloir qu'on commence à regarder. Oh là là. Classe E. Ah, voilà. Putain, mais c'est quoi de cette merde? Ok, j'ai la route à faire là. Il va falloir qu'on achète. Il va falloir qu'on achète une classe D. J'avais oublié que j'avais du mal avec les demi-tours dans ce jeu.
fini 23ème au FFS. Salut Dagueux. Tes souvenirs. Des souvenirs, ce jeu, je suppose que c'est plutôt. Tournez à gauche. Ça, c'est clair que c'est des souvenirs. Et là, pour l'instant, j'ai pas encore réellement pu le montrer, mais. Normalement, j'ai les DLC. Donc, mais je crois que la Saturn Curve qu'on a acheté, c'était un DLC. Donc, il faudrait que je. Mais je crois que les concessions indépendantes, là où il y a une seule bagnole, c'est des concessions qui ont été rajoutées à cause des DLC que j'ai achetées. Donc, faudra qu'on arrive à les atteindre. Ça arrivera incessamment sous peu, hein, vous inquiétez pas. Votre destination se trouve à 1,5. Mais là, faut que je commence à me faire du pognon parce que. Parce que là, j'ai besoin d'acheter une classe D, à minima. Voir peut-être mieux. Là, il y a une maison. Votre destination se trouve à 500. Petit drift. Alors. Hop, je freine. Vous avez atteint votre destination. Et la petite course. Bonsoir Vika, bonsoir Johnny. Allez. Petite course à 10 000 balles. Et vous voyez, là je commence à taper des classes D. Parce que si je me trompe pas, la Pontiac GTO c'est une classe D. La Jaguar aussi. Donc, il commence à y avoir des grosses voitures face à nous. Bon, les modos, vous faites votre taf. Asveil paye. Bonsoir Red Eyes. En plus j'ai mis à jour la commande exprès parce que du coup ça rajoute un truc. Hein, si tu regardes la commande que tu viens de taper, Red Eyes, j'ai rajouté un truc dedans. Qui est assez utile, je pense. Hop, petite victoire. J'adore gagner des courses en une minute. Ça va encore plus vite que Burnout. C'est génial, j'adore. J'adore ça. Alors. Qu'est-ce que c'est là? Il y a des petites courses. Qu'est-ce que ça nous propose? Réservé aux voitures. Merci. Je suis vachement con. Aucune limitation. Saline. Ok, d'accord. Classe E. Oh putain, ça remonte. Pas de limitation. Réservé aux voitures. Classe E. DE. Donc oui, il faut vraiment qu'on achète une classe D. Lotus. Oh, et ça va commencer à me chauffer, ça. Est-ce que je peux la gagner quand même avec une classe D? Avec une classe E. Ce serait propre, hein, quand même. Nous recalculons votre itinéraire. Vous roulez dans la mauvaise direction. Faites demi-tour. Alors. Attendez. Je vais me TP parce que je vais pas faire la route. Pas toute la route en tout cas. Hop. Voilà. Je me mets juste à côté. Je vais tenter. Je vais voir si je suis capable de gagner la course avec une voiture d'une classe inférieure. Ça me ferait quand même 30 000 balles. Et 30 000 balles, c'est pas négligeable. Je rappelle que c'est pratiquement le. Pratiquement le prix de la Mustang. Donc en une course, je pourrais racheter une Mustang. Non, j'ai pas envie de l'affronter. Ah ouais, c'est 30 000 si tu gagnes. Ah non, c'est une course à élimination. Oh, ça va être long. C'est ça, c'est une course à élimination. C'est moi, il y a une Maserati. Et il y a une Vice Man.
Mais casse-toi la Maserati. Trop de boutons. Oh là là, oh là là. Oh, ça te choque dans tous les sens. Wouah, 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 wouah. Ok. La Merco qui roule très très vite. Petite Charlotte. Oh, non mais non. Alors là par contre la course faut que je la gagne hein, automatiquement. C'est t'es premier ou t'es rien. 2 secondes 6. Oh là là. Mais je me fais lâcher en plus. Ah, ah. Elle freine très mal. Oh, 6 secondes de retard. Oh, c'est moche. C'est tellement moche. Attends. C'est parti. On va remonter. Ne vous inquiétez pas. Aïe. On va remonter. C'est moi où les noms ont changé entre la grille et la course. Ah ouais? Alors là, je pourrais pas dire. C'est Charlotte Flair dans la Mercedes. Ah, on remonte, hein. Ça y est, enfin du challenge dans ce jeu. Et oui, ça existe. Ah, elle s'éloigne à nouveau. Au secours. Seth est éliminé. Au secours, c'est galère. Oh là là, la pilule qu'elle nous met, quoi. C'est dingue. J'ai envie d'y croire. I want to believe. Ah, j'aurais pas pris le virage. 4 secondes 8. Ah, elle a de choc. Elle a de choc. Yes. Oh, le choc est absolu. Allez, fais-moi des bisous. Incroyable. Une IA qui fait des erreurs. Ça change. Bon, par contre, elle va vite quand même, hein. En ligne droite. Oh là là, oh les intérieurs qu'elle prend, c'est propre. Eddie est éliminé. Pas le temps de niaiser. Elle me remet une piquette là. T'inquiète, elle va rechoquer. Aïe, oui. Ouais, ou pas. Oh là 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 là, au secours. Alors, Charlotte, si tu pouvais re-choke, s'il te plaît. Merci Charlotte. Tournez à droite. Incroyable. Tant de gentillesse chez cette femme. Un pied à choc méchant en plus. Toutou doit être heureux de voir une Mercedes devant. Ah. Ça a mal vieilli. Oh, déjà 4 secondes d'avance. Ok. Harvey est éliminé. Que je change la radio. Non, pas radio classique. La radio métal. Merci. Qui n'est pas du tout métal. Hein, mais... C'est pas grave. Eh, ça fait une course assez longue. Hein. Elle vaut bien ses 30 000 balles. Oh, vous êtes pas gentil.
Magnifique, magnifique cette prise de virage. Alors que Charlotte est en train de nous remonter à une vitesse folle. À la prochaine intersection, tournez à droite. Tournez à droite. 4 secondes 75, yes. Voici le road show là, c'est bon. Ouais. Tournez à droite. Non ! Bah c'est bon, elle a rechoke. Heureusement. Oh, elle est même à deux doigts de se faire éliminer. Mais ce ne sera pas le cas. C'est Martin qui finit au tapis. Voilà. Et c'est toi qui vas te choquer. Et non. Et non. Bien sûr que non. Il y a trop d'argent en jeu pour que je te choque. Dès que c'est de l'argent... Hein, voilà. Souvenez-vous, il y a 10 minutes, j'ai trouvé les courses courtes. Allez, 6 minutes, hein, c'est une bonne course, hein. C'est une bonne course. Non, mais vous inquiétez pas, quand on fera le tour de l'île, là, je pourrais me plaindre de la durée de la course. Hein. Oh là là, magnifique cet enchaînement de virages. À la prochaine intersection. Ce jeu de la liberté à l'époque. Ah, ça c'est clair. Tournez à droite. Et maintenant tu te dis, oula. Quand même méchamment vieilli le jeu. Tournez à droite. C'est moi, elle m'a remonté comme une dingue. Peut-être. Un petit peu. Pas vraiment. Mais... C'est gagné. C'est la win. 30 000 balles, voilà, 60 000 dollars dans le portefeuille. Parfait. Bon. Ouais, puis ça, c'est avec ta voiture que tu fais ça. C'est des classiques, ça? Non, c'est Lambo. Ah, mais Lambo, ça coûte cher. Européenne classique, c'est pas intéressant. Ah, mais 62 000 balles. 62 000 balles, j'achète même... Je crois que les Maserati, elles coûtent 100 000. Ça, c'est un classique aussi, non? Ouais, européenne classique. Elle coûtait cher les Merco aussi, hein, je crois. Vous êtes plus Merco ou Audi? Hein, dites-moi. Je vais regarder pendant ce temps s'il n'y a pas un truc que je peux... Je peux pas faire grand-chose, là. Ah ouais, Merco, direct là. Merco, Merco, Merco. Eh ben. Parce que là, faut que j'aille chercher les épreuves qui sont là-haut. Étant donné que j'ai toute la route à faire, quoi. Faudrait que je fasse une épreuve. Faudrait que je fasse l'épreuve là. Parce que l'épreuve là, elle me débloquerait tout. Mais non, mais BMW, mais casse pas les couilles. Y'a pas de BMW dans le jeu, viens pas me les briser! Voilà, maintenant j'ai 3 Mercedes contre 3 Audi. Ah bah bravo. Bah j'applaudis pas. Hein. Honda. Il n'y a pas de Honda dans le jeu. Oh putain. Là je pourrais faire les épreuves. Ah attends, ça mène à où tout ça? Oh. Ça me débloquerait ça. Et ça. Ah ça c'est pas mal ça. Je crois que je vais faire ça. Ça y est, maintenant ça me balance pas de marque. Mais je m'en bats les couilles. Je vous ai demandé deux marques. Pas de m'en balancer 25 000. C'est dingue ça. Putain, ce coup.
punaise. Votre destination se trouve à 2 km. Attends. Attends, voir. Allez, c'est bon, mais casser les couilles. Allez, c'est bon. Voilà. Enfin un peu la paix. C'est bon. Votre destination se trouve à 1,5 km. Ça vous apprendra à me balancer. Oh putain. Bon, t'en pone les couilles que vous compreniez, que vous connaissiez 25 marques automobiles. Merde. C'est dingue ça. Oh. Hop. Vous avez atteint votre destination. Oui. Merci. C'est pas que j'en ai marre de rouler avec cette voiture. Moi, je voudrais rouler avec une autre. Oh. Ah, c'est, le chat est beaucoup plus calme hein, maintenant. Là, là, c'est plaisant à lire, tu vois. Là, là, ça va. Je suis content. Ah. Je suis un connard. Un vrai connard. Oula. Oula là. Ouh là là! Oh là. Magnifique. Vais-je y arriver? Dans les temps ou pas? C'est que la ligne droite. C'est vrai que les courses sont pas passionnantes hein, quand même. Hein. C'est que des... C'est que des fucking lignes droites. On a connu plus le passionnant. Hein. Alors, il y a des boss, hein, ça je veux bien. Et on sent bien que la Mustang, elle est pas faite pour ce genre de course. Mais, mais ouais, hein. Là, là, c'est... là, on est au top de... Top de la passion, hein. La passion. C'est les gens qui essayent de communiquer. Vous faites des charades, c'est ça? Tentez votre chance. On verra si je vous comprends. Ah! Ça y est, il y a eu un virage, ça m'a surpris. Mercredi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, c'est gagné. Ah, vous avez de la chance, hein. Ah, je l'aurais pas gagné, j'aurais pas désactivé, hein. $72,000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais non, ta gueule. Donc, il y avait plus de Audi que de Mercedes. Je vous jure, le premier qui me met une marque au pif. Je vous jure. Donc, Audi. C'est moche. C'est moche. J'avais dit, il fallait fermer sa gueule. Je l'avais dit. Ah, t'as cherché. 80 000 balles!
fuck. Bon bah il me manque 8000 balles. Qu'est-ce qui se fait vite? 5000. Ça rapporte même pas assez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là là. Non mais... Ça m'étonne pas. Ah là là. Eh non mais vous comprenez pourquoi il faut être sur Twitch, parce que là vous êtes là, là les gens qui êtes sur YouTube, vous comprenez rien. Puis je vais pas vous expliquer. Fallait être sur Twitch. Ah bah oui, c'est pour ça hein. C'est pour ça, mais oui, oui, et bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il est où ce sac? C'est dingue ça. C'est vraiment dingue. Hein. Alors, commencez. Tac. Start your engine. Ça fait quoi depuis avoir la petite épée? J'ai presque envie de la faire en vue intérieure cette course. Ah, quel plaisir. Elle reviendra, elle reviendra. Peut-être. Combien es-tu prêt à débourser? Oh mon Dieu! De sac. Oh, c'est pas vrai. Au secours, la modération se rebiffe. 20 euros et un Mars. Ah bah, je prends. Donne les 20 euros tout de suite. C'est quoi ma voiture? C'est une AC. Merde, 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 merde. C'est pas la AC Cobra, hein, c'est une AC 209. Et c'est pas la version préparée par Shelby. On s'est mis d'accord, t'as une voiture éclataxe. Ah bon? Ah. Voilà, c'est ça, c'est la base de la Cobra. Mais c'est pas la Cobra. Ça reste une voiture, ma foi, plutôt bonne. Et surtout... qui ne chasse pas du cul comme un chien qui a ses hémorroïdes. Aïe 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 aïe. Il est terrible ce chat. Hein. Il est terrible ce fils. Mais bon, au moins il en... Il enlève l'ennui de ce... Ah, il me cherche en plus! On a ce qu'on mérite. Oh, 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 oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, ça va partir en let's play de Barbie détective. Oh, vous allez avoir ce que vous méritez aussi hein. Oh bordel de merde. Je
Je vais arriver demain, je vais faire... Ouais, fin 2019, Barbie détective. Allez, là, comme ça, ché. Les gens après vont arriver... T'es où, fin 2019? Puis je leur dirai, ah, c'est la faute de Xiphos. Vous pouvez le chercher dans le Discord. C'est à cause de lui. Ah, quel plaisir. Allez, c'est bon, c'est gagné. Hop. Ah. Ceux qui arrivent maintenant, qui comprennent pas. Ah, ça y est, j'ai enfin mon pognon. Fais un coup en or sur les 120 possibles. Très bien. Genre très très bien. Attends, je suis pas sûr d'avoir déverrouillé le petit bout de route. C'est bon. Là, j'en suis sûr. Bah, je sais bien sûr. Je sais très bien ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, j'avais testé ça sur Henri. Ah bah, il va pas me remettre modo. J'attends mes 20 balles. Non mais puis quoi encore? C'est quand même dingue ça! Parce qu'en plus, il faudrait que ce soit gratuit! Ah, mais c'est fou ça! Ah ouais, non, on va prendre les jantes, hein, parce que. Non, il faut se respecter un peu dans la vie, hein, quand même. Hein, non, on va prendre en rouge, tiens. Ah non, pas rouge en fait. Ah! Ah, je vais prendre en vert cochon. Ah, avec l'intérieur boisé, avec les boiseries. Oui! J'aime avoir des boiseries. Ah. À la rigueur, viens chercher le Mars. Moi, j'ai 300 euros de pneus à dépenser. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. En effet. En effet, en effet. Bon, bah, tant pis, hein. On va. Oui, Gilop. J'avais dit que je le passerais modo à un moment. Ah, il est plus là. Merde. Bon, tant pis. Ce sera pour une autre fois. Ah, je vais me faire un fouet tout seul. Quel sac. Oh. C'est ainsi que la carrière de Jeff Harvick s'arrêta sur exploitation de ses employés qu'il ne payait même pas. Allez, ça y est, les mecs qui font les sacs. Vous êtes la personne de confiance. J'ai ce petit colis qu'il faudrait apporter à un bon ami. On se comprend bien. Pas d'embrouille avec les flics. Pas d'embrouille avec les flics. Bon, faut qu'on transporte un carton. Bien sûr. Qui sait ce qu'il y a dans le carton? Ceci est une mission unique. Si vous la ratez, vous ne pourrez pas la refaire. Bah on va éviter de la refaire. Ah mais là on s'en fout. Faut juste aller vite, y'a pas de jauge de... Oh. Tournez à droite. Oui. Alors. Ok. Non. Top, merci. Les 20 euros et 20 ans. Oh putain, au secours. Chef, je dois avoir un stage en plus. Ah oui, sauf que ça marche pas comme ça. Mais en fait, je viens seulement de penser. Je transporte un carton. C'est ça Death Stranding en fait ? Tournez à gauche. Tournez à gauche. C'est décevant.
Ah, elle va vite, hein. Elle va vite. C'est pas mal, c'est pas mal. La prochaine intersection, tournez à droite. Ah bah écoute. Casse. Mais non. Bien sûr que non. C'est le... C'est celle du Xiphos en perchant. Tournez à gauche. Grève générale illimitée des modos. Ah, intéressant ça. Comme ça, ceux qui font grève, je peux les dégager. Comme ça, après, je les remplace. Ça, c'est intéressant ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. Donc, déjà, je sais que Jano, à mon avis, c'est sa dernière journée en tant que modo. Ah, c'est cool ça. Il est pire que Macron. Sauf que moi, j'ai pas fait grève. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah là là. Les sacs. Oh, finesse. Ah là, on a une belle image de notre société dans ce chat, hein. Entre ceux qui veulent faire les insoumis, ceux qui sont prêts à balancer comme des sacs. Ah, quelle image. Quelle image. Eh ben. Ah bon, ça va, une 13 pour faire 1,5 km. Moi je dis, ça passe. Oh, la voiture de police. Ça fait 40 000 balles. Hein. C'est pas négligeable. Hein. 40 000 balles. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Hop. M'en fous. Ah, mais merde! C'était là. Et hop, je freine. Voilà! Qu'est-ce qui. Quoi? Te retrouverais avec plusieurs plaintes pour licenciement injustifié. Ah! Sauf que vu qu'ils n'ont pas signé de contrat à la base, ça compte pas. Terrible. Suite au licenciement abusif de notre collègue, l'équipe de modération vous informe qu'il y aurait du retard dans la modération de tous les messages. Intéressant. Le patronat informe l'ensemble des viewers qu'une nouvelle place à la modération est disponible. Veuillez fournir curriculum vitae et lettre de motivation sur le Discord. Merci. Au secours! Incroyable. Allez, je vais me faire un petit autostoppeur, moi. Avec sous-entendu. Oh, mon épée. Salut. Ça vous embêterait pas trop de m'avancer un peu? Ça va, j'ai terminé Paris-Marseille Racing sans avoir bu. Ça mériterait presque directement le rôle de modo. Allez, je fais mon autostoppeur. S'il est en parfait, Xif, tu récupères ton rôle de modo tout de suite. Sinon, je te promets rien. Et promis, je fais gaffe, hein. Je fais pas mon sac. Je le joue clean. J'ai bien fait de mettre ma ceinture. Tournez à droite. Tu pourras insulter la personne qui est dans ce pick-up. Qui ne t'a pas respecté. Et qui ne voulait pas que tu sois modo. Non, allez, vas-y, je recommence. Allez.
T'as le droit, t'as le droit. T'as le droit. Oh merde. Non mais c'est bien parce que du coup ça va déjà faire une heure que je suis en live et j'ai pas vu l'heure passer. Alors que j'avais un peu peur de me dire, ah là, Test Drive Unlimited, le jeu il va être chiant du cul. Ah mais ça va. Là on s'amuse. Enfin moi en tout cas je m'amuse bien. Je sais pas pour vous. Oh là. Oh ouais non mais là là on se fout de ma gueule. Voilà, je veux dire deux fois le même carrefour à un moment non quoi. C'est non. C'est pas juste. Oh. Oh, allez, je me sens d'humeur généreuse. Allez, je me sens d'humeur généreuse. Allez. Ah, c'est la dernière. C'est la dernière. Allez. Mais là... Là, non. Là, je déconne plus. Non, là... Si là, je touche, c'est fini. Hein. Faudra attendre une autre opportunité. Ah ouais, non. Mais parce que voilà, quoi. J'ai pas que ça à foutre, hein. Là, Xif, pris tout ce que tu peux. Hein. Je vais me mettre en vue intérieure, tiens. Ça, c'est la vue de la concentration, ça. Déjà, va-t-on survivre le carrefour? Le carrefour de la mort. Vas-y, je prends mon temps. Nous avons survécu le carrefour. C'est officiel. T'es athée. C'est pas grave, il y a Saint-Pastor. Saint-Pastor est toujours présent. Ah, j'adore quand c'est des petites montées comme ça. Voilà, parce que ça te fait des petits stress. Ah, merci monsieur. Ça met des petits stress et tout, c'est génial. Alors. Hop. Bon, attends. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est la panique, c'est la panique. Il va falloir que je tourne à droite. La prochaine intersection, tournez à droite. Alors, attention qu'il n'y ait pas une... Tournez à droite. Voilà, et le mec tourne à gauche sans mettre son clignot, le gros sac. Ah, le problème, c'est qu'il faut que j'aille vite. Et ouais. Je suis pas limité dans mon temps. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, j'essaie de le faire proprement. À la prochaine intersection, tournez à gauche. On va pas m'en vouloir. Oh là là, oh là là, oh les voitures à contresens. Oh, oh merci Sixth Sense pour les 5 abonnements offerts à la commu. Quelle dinguerie. Je m'occuperai de ça après. On essaye de me déstabiliser. Parce que je vois. Pour que je loupe l'épreuve. Oh j'ai failli. J'ai failli choke. Incroyable. Putain, je suis obligé de me concentrer en plus. C'est vraiment honteux, hein. Je trouve ça vraiment honteux. Si seulement j'avais une voiture un peu plus rapide. Ça en 2-2. Faut dire 18 km, c'est chiant. C'est beaucoup trop long. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh. J'espère comme moi que tu as eu peur. Je suis sûr que le chat est sur les nerfs. En fait, que je puisse choquer ou non. Ah là là, terrible.
terrible, ce chat de la Discord. Au secours. Je commence à faire des blagues douteuses. Oh, c'est lent devant. Oh, que c'est lent devant. On va attendre un petit peu. Hein. Oh ouais, non, on va attendre. C'est très lent, c'est très lent. Voilà, là c'est moins lent. C'est très bien. Hop, je m'en remets là. Reste 7 km, hein. On en a fait 11. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Puis là, c'est que de la ligne droite. Je vois pas ce qui peut nous arriver. Oh là là, je regrette tellement ces mots. Vas-y, je vais freiner gentiment. Voilà. Oh, je le vois, le monsieur qui veut tourner. Je le vois. T'inquiète pas. Voilà. Salam. Au secours. Ah là là, ça tente de me faire choke. Ça tente de me faire choke à coup de pognon. J'ai tellement envie. Oh là là. Oh là 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 là. Je passe en sens inverse. C'est bon. Reste 4 km. Je te jure que si je me suis cassé le cul à faire un perfect pour gagner des coupons Leader Price, tu vas entendre parler du pays. Oh là 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 là. On va attendre un petit peu parce que là il y a une boss et j'aime pas les boss. Il reste quand même que 1 minute 35. J'ai encore 2 km à faire. Tu sens que c'est peut-être pas le moncho qui va louper, mais le temps qui va manquer. Il faudrait peut-être que je commence à accélérer un peu. Oh la bosse. Oh la bosse. Oh la voiture de police. Ok. Oh, le mec qui vient. Oh, le mec qui change de voie. Oh là 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 là. On y est presque. À la prochaine intersection, tournez à gauche. On y est presque. Tournez à gauche. Je tourne. Tournez à gauche. Et nous y voilà. C'était cool. Merci. Ah là là. Voilà. Parfait. J'ai presque envie de le re-théo juste derrière, en fait. Juste pour avoir gagné 12 coupons. Ah ! Mais non, mais on s'en fout. Par contre, j'ai oublié de sortir le... Non ? Je sais plus. Donc, merci Six Sense pour avoir offert une grosse intelligence à Anditana44, à Mané71, à EKBZH, à Patafroi267 et à Silac56. Et merci Mine de Sel pour les 3 mois de sub. Voilà. Et merci YouTube d'avoir assisté à cet épisode de la Discord. À la prochaine.